sur les images enregistrées par le gardien qui avait voyagé dans le temps, on pouvait voir les quatre créatures divines se retrouver possédées par l'influence maléfique du fléau Ganon. Ces images concernaient bien sûr aussi les créatures divines Vamedo et Vanaboris, qui se préparaient dans l'ouest d'Hyrule pour faire face à la résurrection de Ganon. Ayant vu depuis le château d'Hyrule une lumière bleue émaner de Medo, Zelda et ses compagnons repartirent à l'attaque pour porter secours à Revali et Urbosa, persuadés que ces derniers combattaient toujours à l'intérieur de leur créature divine. Pour le moment, tâchons de remporter ce combat. Non. Décidément, il est beaucoup trop rapide. En fin de compte, mon aide n'aura donc pas suffi. Détrompe-toi. Grâce à toi, nous avons tenu. Et nous allons pouvoir nous en tirer. On dirait bien que le vent vient juste de tourner en notre faveur. Bien. Tout d'abord, je dois vous remercier. C'est grâce à vous si on s'en est sorti. Urbosa. Merci aussi. Arijou, c'est bien ton nom? Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton intervention. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est notre victoire à tous. Ouais, on aurait très bien pu s'en sortir à deux. J'imagine que ta présence n'a rien gâché.
Ce n'est pas comme ça que je voyais le grand prodige. Nous avons bien des choses à nous dire, mais... Dites-nous, madame. Que s'est-il passé au château d'Hyrule? Eh bien... Grâce à l'aide de Teba et de Rijou, soudainement apparus à l'intérieur des créatures divines, Link et ses compagnons parvinrent à sauver Revali et Urbosa. Ayant appris par Zelda la chute du château d'Hyrule, Revali et Teba remontèrent à bord de Vamedo pour affronter la horde de gardiens qui avançait vers nos héros depuis le château d'Hyrule. À nouveau venu de montrer à tous la puissance de la créature divine Vamedo. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'appelait. Et quand j'ai cherché d'où provenait la voix, j'ai vu ce monstre qui allait te tuer, Mipha. J'ai voulu voler à ton secours, et en un instant, je me suis retrouvé à l'intérieur de Ruta. C'était grâce à ton pouvoir, n'est-ce pas? Merci. Bien. À présent, hâtons-nous vers la forteresse d'Akala. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens! Qu'est-ce que tu manigances? Je ne comprends donc toujours pas. Ils sont devenus très forts. Bien plus que je ne l'aurais pensé. Ainsi, j'ai besoin de vous deux. Pour finir, vous allez œuvrer une dernière fois à l'accomplissement de notre grand dessein. Gros coca! Oh! Fuyez, je vous en prie! Non, je ne peux pas faire ça! Dans ce cas, je vous protégerai même si je dois y laisser la vie. Des sacrifices offerts au fléau Ganon. C'est l'ultime rôle que vous allez remplir.